Non. Ah non, pas lui. Lui, il est relou. Il m'a défoncé à la dernière fois. C'est nouveau, ça, aussi. Arrêtez avec les nouveaux ennemis. Oh, ça va bien faire. Il est en feu. Ah, de la vie. J'ai beaucoup de vie que je peux stocker, là. Il faut que je la trouve. Mais non, mais je tombe que sur lui, maintenant. Steve. Le marteau! La honte d'une génération. Un mini-boss. Vraiment. On en est là. J'ai pas envie. Feu dragon. Pour moi, j'ai des trucs derrière lesquels je peux me cacher. La dernière fois qu'on l'a combattu, lui, c'était pas le cas. Ah, ça allait très vite. Ça allait très vite. J'aurais dû le geler. Quant à moi. Ok. Un coffre. Il y a un coffre, oui. Qu'est-ce donc? Amplitude de détonation 10 bombes. Allô? Déclenche tous les objets explosifs de la salle. De jour, les gosses font exploser les bombes avec leur téléphone, mais au premier jour du Gungeon, un tir restait nécessaire. Ah, j'ai plutôt gardé ça. Mais non, j'ai enlevé mon... j'ai enlevé mon appareil accrochetage. Après, j'ai deux clés. J'ai deux clés, on est niveau 5. Donc c'est vrai que le crochetage, on s'en fiche un peu maintenant. Faisons ça. On prend la ruche. Terrible. Mais non. J'ai perdu un cœur déjà. Calmons-nous. Calmons-nous, tout va bien se passer. Alors, on se détend. Vous êtes relaxé. Oh, pas le feu. Le feu m'a déjà tué alors qu'on était bien dans une run, donc non. Merci. J'ai déjà eu assez de traumatismes. Oh! La main! La main qui tue! Qui m'envoie ailleurs. Ça peut te rassurer, le globe vert te donne une misère. Un passif, c'est entre 1 et 10 pièces environ, la Ferrider, ça peut aller jusqu'à 30. D'accord. Bon, il donne un petit peu de thunes pour débarrasser les gens, quoi. Globalement. C'est vraiment s'il y a des trucs que t'as dans ton inventaire, t'es en mode ouais, non. Allez, mes abeilles. Non. J'ai utilisé une balle à blanc. Il m'a sauté dessus. Il m'a juste sauté dessus direct. Je vais réussir à crever. Malgré le build qu'on a maintenant. Vraiment. Ah, j'ai tellement pas envie de la faire, la grande salle. Là. Vu que c'est une grande salle, par contre, je peux faire ça tranquille. Par contre, j'aimerais bien la lumière, s'il vous plaît. Non, c'est interdit. D'accord. Est en feu. Recharge, go. Ah. Je sais pas si je touche. Je pense que oui. Bon, mes munitions vont vite partir, malheureusement, mais... J'ai plus que deux cœurs, quoi. Très bien. Alors, je pense pas que ce soit des ennemis, là. C'est bon, c'est un coffre. Combinaison de protection, protocole de sécurité.
Immunité contre le feu, le poison, l'électricité. Yes. Immunité contre le feu, c'est ce qu'il nous faut. Rien ne peut traverser cette combinaison sauf les balles. Très bien. Maintenant, il faut juste que je trouve de la vie. C'est tout ce qu'on demande. De la vie. De la vie, et ensuite on sera bien. Oh. Petite clé. Ah, j'oublie que j'ai la bombe pour geler aussi. Hein. Yep. Incendiaire, oui. Ok. La forge. C'est quoi ça? Ah oui, ce bras, je l'ai fabriqué pour Ox, pour remplacer celui qu'il a perdu. Ah mais on va pouvoir lui ramener. Excellent. Je vais le rapporter à la brèche, mais je n'ai jamais une minute à moi. Vous me rendriez service en l'apportant à Cadence et Ox. Je suis sûr qu'ils vous en seraient éternellement reconnaissants. Enfin, si vous trouvez le moyen de remonter. Je lui ai dit qu'il vous faut une autre balle, tenez. Ah d'accord, très bien. Il faut bien qu'on la trouve pour qu'elle me file la fameuse balle. Ravi de vous revoir. Peu parviennent jusqu'ici et encore moins reviennent, aussi souvent que vous. C'est bavardé pour le moment. Oui. Alors, on veut le cœur, ça c'est sûr. On veut la balle à blanc. La clé, on s'en fiche. Balle rebondissante. Est-ce qu'on veut balle rebondissante? Parce que contre le dragon, ça va pas être ouf. Au niveau des munitions. On a le feu du dragon. Est-ce que le feu du dragon sera vraiment fort contre le dragon? Je ne suis pas sûr. Je me permets de d'émettre quelques soupçons. De toute façon, balle rebondissante, j'ai pas assez. Donc à partir de là... J'ai envie de dire, c'est un nom. Allez, on va prendre les munitions ici. Ok, bon. Maintenant, j'aimerais le moins de salles possible. Avoir directement le dragon, s'il vous plaît. Ce serait beau. Allez, mais crève. Oui. Ok. Voilà nos gros problèmes, c'est la vie, hein, clairement. Et là, bonjour. Oh non, je suis encerclé. Ça les a pas tués, énorme. Non, le mur, le terrible mur. La place. Encore loupé. Tant pis. On va les finir. L'hégémonie. Très bien, de la vie. On l'apprécie. Merci beaucoup. Incendiaire. Dématérialiseur. Je veux le dragon, s'il vous plaît. Ou de la vie. Hein. La vie, ça me va aussi. De la vie. Bien sûr, toujours plus. J'ai utilisé des balles à blanc, je me déteste. Tout va bien. Mais il est protégé par la mort. Par la grande faucheuse. Ah, quand même. Ça devenait gênant. Salle de mort. Il s'endort devant la porte en plus. Je les teste. Je le hais. Depuis 3 coeurs. Il me faut une clé. J'ai une clé. Prends ma clé. Oui. Oui, plus de vie. Tu perds le...
Une arbalète, vraiment, on en est là. Est-ce qu'on en est vraiment au stade où on est content quand on chope une arbalète? Je ne sais pas. Je veux pas faire le mec qui fait genre et qui veut à tout prix le summum de la qualité de la technologie, mais est-ce que vraiment, quand on est dans la forge, on veut une arbalète? Je pose des questions, hein. Ben, il y a encore un petit fantôme. Il est mort. Ok. Ah non. Ah. C'est parti. El Dragoon. Ah bah ça commence bien. Attendez. Le feu. Le feu du dragon, c'est lequel? C'est lui. Ça fait des dégâts, c'est bon. Ça rassure. On va se concentrer un peu, hein. Ok. C'est là. Ah bâtard. Nice. Ok. Fais pas le blanc du dématérialiseur est quand même vachement shit. Ah, il est très appréciable, dirons-nous. Il y a l'arme composite qui le fait aussi. On a chopé une run auparavant. Mais j'ai plus que deux armes, comment ça se passe? Ah, parce que j'ai défini des armes préférées, c'est ça? Est-ce que ça se pète ou pas? Apparemment non. Ok, bon. Maintenant, la scène du passé, ou de toute façon... Je n'aurai pas tout mon équipement, si je comprends bien. C'est comme avec le Marines. On est d'accord qu'on a la balle capable de tuer le monde entier. Là. La balle qui peut tuer le passé, voilà. Ok. Je suis tombé de touche. Saut de lion. Succès déverrouillé. Mais non. J'espère que j'ai pas une barre de vie, là. Il l'affiche pas. Terrible. Ok. Bon, maintenant, il faut pas se louper, hein. Parce qu'il y a encore un boss. Trop de coder, probablement pas, vu que on n'a jamais été dans le passé du pilote. Ouh.
Ah. Un vaisseau dans l'espace. On a presque tout chargé, Z. Prends le reste et mettons les voiles. T'excite pas. En boulot comme ça, faut rester calme. En plus, les hégémoniques peuvent pas tout surveiller à la fois. Aucune chance qu'on se fasse prendre dans un trou paumé comme celui-ci. On n'a plus qu'à aligner les crochets d'amarrage. Voilà. Vaisseau inconnu épais, ici le vaisseau Absolution. Votre vaisseau a été scanné, il transporte du matériel appartenant à l'hégémonie humaine impériale. Vous allez être remorqué par rayon tracteur. Étayez tous vos appareils à l'exception de vos systèmes vitaux. Tout acte de rébellion sera réprimé de la manière la plus sévère. Vous avez 20 secondes pour tempérer. Fais le saut dans l'hyperespace et tire-toi d'ici. J'ai pas le temps de m'arrimer. Mais t'as pas de moteur de saut? Tire-toi. Pas question. Allez, ordinateur, redirige toute l'énergie sur les armes avant. S'échapper en sautant. Ah, de la même manière, le pilote avait abandonné son pote. C'est ça qu'il essaie de changer. Redirigeons donc toute l'énergie sur les armes avant. Genre, on va se battre en vaisseau. Incroyable. Vaisseau Absolution. Incroyable. Ah oui, j'ai des missiles. Aïe. D'accord. Faut rester en face. D'accord. Nice! Tellement stylé! Ellie, succès déverrouillé. Ah, j'arrive pas à croire que t'as fait ça! À où t'as appris ces manœuvres? Une autre fois, la priorité, c'est de nous tirer d'ici! Pas la peine de me le dire deux fois. Et c'est ainsi qu'il sauva son pote. Et devint un ennemi de l'hégémonie humaine impériale. Le pilote, contrebandier. Le Han Solo. Oh. Ah bah vu comment l'après-midi s'est passé, je pensais pas qu'on y arriverait hein, cet après-midi. Le jeu est vraiment devenu plus chaud. Ouh. Mais on l'a fait. Le pilote a également réussi à tuer son passé. Bravo à lui. Alors bien sûr, on essaiera avec les deux autres personnages hein, également. On apprendra à les manier, tout ça, tout ça. Et puis voilà. Je pars du principe que c'est du bonus, hein, parce que à partir du moment où on a vu les crédits une fois, je suis en mode, bon, pas très bien passer à un autre jeu, mais... c'est du bonus. On va essayer de voir ce que ça nous offre. Oh là là, ça m'a épuisé. Et c'est comme ça qu'un vaisseau de la taille de 8 planètes et armé jusqu'aux dents se fait battre par un vaisseau de la taille d'un avion. Avec juste deux mitraillettes. Eh ben oui, mais c'est là que le talent rentre en ligne de compte. C'est un peu comme l'étoile de la mort. Incroyable structure, mais impossibilité totale d'éviter les tirs. Et là, notre pilote a pu faire preuve à la fois de courage et d'un sens incroyable de l'esquive, très important. Oh, bon, nous, les crédits, on les connaît, on les a déjà vus. Je pense pas que les crédits changent sur le personnage qui a fini. C'est la même équipe qui a développé le truc, quoi. Ah,
Oh, ils se retrouvent. Ils se retrouvent au bar. Matériel de crochetage. Spécialité des armantes. Est lié. D'accord. Victime de personne, bravo. Retournons à la brèche. Il était censé y avoir des nouvelles personnes à la brèche. Il me semble. Donc lui, il a le passé qui est également tué. Bravo. Donc on essaiera la condamner hein, la prochaine fois. Tant qu'à faire. Donc, est-ce qu'on a vraiment des nouvelles personnes dans la brèche, là? Qui est lui? Vous venez d'arriver? Ah mais oui, bah c'est elle! C'est Biowoman! Ah vous savez, je suis venu ici sans but précis. Bah voilà. Une autre fois. Énorme. Ma journée de repos. Très bien. Ah moi ça me fait plaisir hein, de voir de plus en plus de gens ici. Soudés comme une communauté. Le roi ici. Ah oui. Moi j'étais des trucs. Ah oui, on peut lui redonner son bras, c'est vrai. Mécène, succès dévoyé, énorme. Tiens, ah, j'aime bien maîtresse cadence, mais je soupçonne qu'on m'a programmé dans ce but. Mais j'ai un bras. Ma soeur et moi, ça fait longtemps qu'on est là. Mais elle préfère rester dans les étages inférieurs. Ah, j'ai pas le bras. Est-ce qu'il faut que je change de perso? Est-ce qu'il faut que je prenne le pilote? Parce que c'est avec le pilote que j'ai reçu le bras. Oui. Est-ce que j'ai le bras? Hein? D'accord. Je veux donner le bras. Ou alors il faut que je trouve un moyen de remonter les étages. De retourner à la brèche quand elle me donne le bras. Mais en quel cas, je vois pas comment faire. Oh non, c'est terrible. Bon. Tant pis pour le bras. Hein. J'ai voulu aider les gens. J'ai voulu rendre service à la communauté. Tout le monde s'en fout. Une honte. Je débloque des trucs et tout. Je fais marcher l'économie. Alors, la condamnée. On va juste regarder son stuff. Pour se sauvegarder un petit peu de temps par rapport à au début de prochaine session. Qu'est-ce qu'on a gagné? Lunettes de soleil. Arrêtez, ça suffit. Revolver pas cher. Arme bon marché, semi-automatique, munitions illimitées, ne révèle pas les murs secrets, j'ai toujours trouvé aucun mur secret de toute façon. Revolver pas cher a été introduit dans le Gulgen par un fugitif tristement célèbre. Par jugement du magistrat régional de l'hégémonie, plutôt que l'enfermement à perpétuité, l'accusé a souhaité être jeté dans le Gulgen. Qu'il répare ses crimes ou passe éternité dans le Gulgen, n'impliquant aucun coût supplémentaire pour l'État, la sentence a été jugée recevable. Fabriqué à l'économie, ce revolver s'enraye souvent, et seuls les plus désespérés des Gulgeniers s'en souviennent. S'en sert plutôt. Ah, on a un canoncier direct par contre. On a deux armes. C'est beau ça. Un fusil de chasse modifié pour pouvoir être dissimulé. Le canon plus court augmente la dispersion. Mais à courte portée, il est aussi redoutable que son cousin plus long. Très bien. Molotov. Ah oui, d'accord. Non, mais ce perso-là, en gros, c'est le perso bourrin. Quoi. Ces Molotov ne sont pas des armes à feu. Ce qui explique le mépris dans lequel les tiennent les plus anciens gunjonniers. Mais ils font le boulot. Sachant que l'hégémonie ne la laisserait pas emporter son propre armement dans le Gungeon, la condamnée a fait entrer ses quelques bouteilles en contrebande avec les marchandises de transport. Et enfin une photo furieuse. La photo que la condamnée a emportée avec elle dans le Gungeon. Lors de leur voyage vers la brèche, le pilote lui a demandé pourquoi elle regardait tout le temps cette photo. Plus tard, elle a été libérée de son cachot. C'est qui? C'est le marchand? Je sais pas. Bizarre. Très bien. Bon, du coup, félicitations à toutes et à tous. Bravo. Nous avons terminé l'aventure principale avec le pilote. On a appris son incroyable passé, son lore, son scénario. Et on a ainsi fait la moitié des personnages principaux en termes de passé éliminé. On pourra donc passer à la condamnée pour la prochaine fois. Nul doute qu'on va à nouveau suer des balles. Mais tout va très bien se passer parce qu'on adore ça. J'espère que cette session vous a plu, on se retrouve pour la suite dès que possible, et comme l'accoutumée, d'ici là, portez-vous au mieux. Attention, le son va couper, c'est normal. Voilà, le menu pause, qu'il est joli. Et, comme dit, je le redis, hein, c'est important, portez-vous au mieux. Des bisous, bye.